Bienvenuts. Ouais. En tout bon, t'es pas game. Il nous a encore arrivé de quoi de fun? Yeah! So, pour ceux qui nous suivent périodiquement, vous avez aperçu qu'il n'y a pas eu de Elden Ring la semaine passée. Pour ceux qui nous écoutent dans 10 ans d'Aster, bienvenue en 2024. Oui. La dernière fois qu'on s'est laissé, on était à Giant's Mountaintop Catacombs. Fait qu'on avait fait des catacombes. Oui. Puis, on a actually recordé un épisode après ça. Oui. Puis quand j'ai arrivé à l'éditing. Oui. For some random reason. Oui. Mon micro a lâché. Oui. So, il y a 4 minutes de moi. Puis après ça, plus rien, juste du genre tout le long de l'épisode. Qui parle tout seul dans le vide. Parle tout seul dans le vide. Ben, tu m'entends en écho dans le background. Là. Ok, ouais. Mais, fait no bueno, of course, oui. Because on est lucky de même. Mm-hmm. Mais la bonne chose, c'est qu'on a vraiment pas fait grand chose d'excitant, là, cet épisode-là. On a passé une heure à juste comme sortir des catacombes. Puis là, il y avait un super de beau pont. Ben, un pont. Juste un ridge de roche qu'on avait vu là, dans l'épisode d'avant, là, que j'avais fait comme ouh, c'est beau. On a traversé et on se faisait darder avec un géant qui nous pitchait des flèches. Yeah, classique. Puis là, ben, on a juste comme wandered around. Ça nous a pris forever à juste comme marcher around. Puis pas faire grand chose. Puis on a fini par se rendre à un castle ici. Puis sais-tu qu'en faisant ça, je m'aperçois que. I guess il y avait des ruins ici qu'on a probablement juste skippé somehow. But whatever! On est à Castle Sol right now. So. Mm-hmm. Sorry, vous avez manqué le reste. But comme j'ai dit, c'était comme relativement. Comme il n'y a pas de story event qui s'est passé. Fuck off. Non, c'est ça. C'était juste du marchage. Mais so, comme ça qui est bon du fait qu'on a perdu cet épisode-là, ok? Bon, c'est ok. Que, oui, c'est que là, cet épisode 7, c'est épisode 50. Oui. Comme c'était censé être épisode 50 la semaine passée, mais là, on peut recommencer fresh épisode 50 parce que aujourd'hui, la date où on enregistre, c'est le premier anniversaire de notre série Elden Ring! What the frig, ok? Yay! So it was meant to happen? It was meant to be. Jesus Christ. Bonne fête, Elden Ring. Non. Bonne fête, Elden on Ring. Encourage-le pas. Yup, le 27 janvier 2023, on a embarqué dans cette aventure de site. Puis. Qu'est-ce qu'a eu cette idée de cave, là? Je sais pas, mais faudrait qu'on l'étrangle. Oui. Mm-hmm. Si, malin. Live. Tu suites. Ouais, mettons que c'était pas. Ah, mais on savait que ça allait être long, là, but. Ouais. Mais c'est pas pire, tu sais, là on enregistre le épisode 50, entre guillemets. Ben ouais, c'est épisode 50. C'est ça, épisode 50. Un an plus tard, tu sais, là, c'est spécial. Et voilà. Moi, je suis vraiment content. Mets des ballons. Ah, toi pis tes estis de ballons. Moi, là, c'est j'aime comme... ça les ballons, moi. Faut que j'édite ça comme le... Souvent, je fais ça le mercredi matin, faut que ça soit prêt le vendredi. Moi, Je suis en pyjama le mercredi matin avec mon petit thé, puis je suis fatigué, puis j'ai envoyé les enfants à l'école. Là. Puis là, tu me demandes de mettre des ballons en plus. Ben oui, ben ça va te mettre de bonne humeur, justement. Oui, sûrement. C'est comme, oui, yeah, des ballons. Je me souviens, on est venu ici, mais c'est flou dans ma tête. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est fucker là. Ça me fait penser à The Office à un moment donné. Toi, t'avais-tu déjà. T'as écouté nope. ça un peu, non? Nope. Ben, mais j'ai comme... vu des parts online comme que tout le monde a vu des parts online. Oui, ben... les memes et tout ça. Là. Yeah. Mais... C'est du, comme tu peux pas t'en escaper. Ben. Non, c'est ça. C'est pas mal. L'économie des memes est très office-based. C'est bien dit. Mais c'est que à un moment donné... Aïe! À un moment donné, je me souviens plus pourquoi ça va arriver, mais tu sais, comme t'as l'espèce de zélé du bureau, là, Dwight. Là, oui. Avec les lunettes, puis tu sais, là, lui, c'est comme le... Ben, c'est ça, le zélé, là, mais comme... Lui, à un moment donné, faut qu'il organise une fête, mais comme lui, c'est pas sa spécialité, mettons. Tu fais comme... Ils arrivent dans le bureau, puis comme... Il y a juste comme une coupe de petites ballons brunes, puis noires, ici, puis là. Pis, nice. Puis t'as une banderole qui écrit... It is your birthday. Point. Wow. Comme... Le point, juste... là. Oui, oui. It is your birthday. Comme... Wow. Fait... Toi, c'est ton genre, ça. Ouais, y'avait-tu disparu? Tiens, toi. Ah, mais je peux probablement changer les couleurs des ballons pour du brun puis du noir. Ça,
Ça matcherait avec Elden Ring, tu sais, c'est beaucoup de brun pis de noir. Bon, ben, je trouve que c'est un happy medium, là. Tu vas avoir tes ballons. Youpi! Les belles ballons. Mais là, de nouveau. Fuck off. Non, ben, je les avais pas encore mis, comme je les ai mis, là. Ah, ben, l'autre, ouais. Hey, wow, là. Faire travailler en double, ici. Ben, c'est copy-paste, là. Je sais pas où. Copy-paste. Pas de mal, ça marche. Techniquement, oui, but fuck you. Yay! Yeah. Je me souviens pas que ça fait, les paintings. Pourquoi... Je sais que ça en fait une coupe qu'on trouve. Hein. Je sais qu'on a déjà checké, but I guess qu'on a déjà oublié, somehow. Ouais, parce que, tu sais, un an de contenu, on peut pas tout se souvenir. Fuck. Pas vraiment. Pitapitou. 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 Aïe, aïe! J'aime ça que... Tu bloques avec ton shield, pis c'est sûr que la seconde tu décides, ah ben je vais attaquer, c'est là qu'il va te mordre dans la face. T'sais. Oui. Mais une des choses que vous avez manqué de notre old recording, c'était comme. On a encore décollé sur des. Des reviewed games. Des reviewed games, moi. Ouais. J'allais dire des rants, là, mais. Ouais. C'est... Un peu des deux. Un peu des deux, là. Parce que moi, dernièrement, je me suis claqué. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, qui est une espèce de gros air quotes Souls-like Final Fantasy. Là. Mm. C'est comme un pseudo remake, genre, kind of. Ben, pas remake. Non. C'est basé dans le monde du premier Final Fantasy, mais ouais. C'est pas un remake du tout. D'accord. Yeah. So, y a pas de manière j'en parle plus sans comme spoiler la whole comme game ouais. Là. Parce que on dirait comme la whole thing de ce game là était comme on va builder quelque chose pour faire un gros reveal à la fin. Comme c'était ça comme leur trick ou whatever là. Ou le. Pas vraiment ce mot-là que je cherche là, mais. C'était ça comme le wow factor de la game là. Même si c'était comme questionably wow là. Là, je suis encore en train d'essayer de parler puis de jouer en même temps. C'est merveilleux. Ah, fuck off. Tiens, ouais. Puis tu dois encore être comme pris sur les controls de Strangers of Paradise. Somehow, moins pied que notre dernier recording. Oh, ben non, laisse faire, j'ai rien dit. Comme ce jump-là était supposé d'être un dodge. Ah, ben oui, ce tente-là, c'était fait pas classique. Ben oui, on aime ça. Ben oui. Fuck you, man! Mais ouais, le writing de Stranger of Paradise était pas particulièrement extraordinaire. Je trouve ça fucking triste parce que j'aime vraiment l'idée de la story. Comme si ça aurait été bien orchestré puis ça aurait été bien écrit, comme ça aurait pu être comme une super amazing game. But... comme... La meilleure scène de la game, c'est la final scene. But... Calisse. Fuck you. Ouais, ça, c'est chiant, tout ça. Le temps, c'est... Puis, mais c'est comme... Qu'est-ce qui va toffer jusqu'à là si tout le reste est comme caca, tu sais, là? Ouais. C'est comme wasté, là. Tu sais, c'est quasiment comme... Puis chuchu. Je suis guilty d'avoir fait ça souvent. Là. Tu dis que tu vas garder comme... T'as un gros lunch, puis tu veux garder le meilleur pour la fin. Mais t'arrives à la fin, puis t'as plus faim. Fait que ouais. Là, t'as wasté comme le meilleur de ton lunch. C'est exactement ça qu'est Stranger of Paradise. Comme exactement ça. C'est un trop gros lunch. Comme... Ouais, mais c'est comme un lunch bof. Tu sais, c'est comme... Moi, je dirais... Qu'est-ce que je pourrais dire? Maintenant, t'as... Qu'est-ce qui est plate à manger? Qu'est-ce qui est plate comme, à manger? Comme, ok, un gros... Ok, je sais pas moi, t'as des... Des wings. Mm-hmm. Comme des Christy de bonnes wings. Oh, oui. Mais t'as un gros plat de mashed potatoes unseasoned. Ouais. Comme bland as fuck. Là. Pas de sel, pas de beurre, pas rien. Là. Comme semi-frette. Mais là, tu veux garder tes wings pour la fin parce que c'est ça qui est meilleur. Mais t'as plus faim quand c'est rendu gros. Comme ça, fit. Ça, c'est Stranger Paradise. Mais t'es obligé de manger les patates. Là. Tu peux pas juste dire, ah, je veux pas les patates. Là. Non.
C'est comme si tu manges ces patates-là, on va te donner des wings. C'est comme, oh, fuck you. Exactement. Ouais. Oh man, moi les wings. Je pourrais manger ça tous les jours. Bon, imagine comment c'est cruel d'abord. Ouais. Ça fait chier ça. Donne-moi mes wings. Puis, je sais pas, on dirait, je n'avais parlé dans l'autre épisode, tout le système de. Tous les ennemis drop comme du loot, puis comme les ennemis drop jusqu'à comme 4 pièces d'équipement, puis c'est comme. C'est overwhelming, comme. Ouais. Je get comme le appeal, puis oui, les Diablo, puis ces genres de games-là sont de même, mais je trouve que là, c'était comme cranké à 10. On dirait que c'était worse que Diablo. Parce que comme. Les upgrades de stats étaient tellement minimes, puis des fois même comme tu pouvais avoir comme une pièce d'équipement level 80, puis tu pognais comme un autre pièce d'équipement similaire level 92 mettons, puis elle pouvait être moins bonne. Ouais. Puis tu sais où ça pouvait être genre des comme plus 1 moins 1 à des places puis ça, puis c'était tout le temps comme. Ça filait jamais comme des vrais upgrades. Ça filait tout le temps comme ah, prends la moins mauvaise item. Tu sais, c'était comme ah, tu rééquipais tout le temps, puis c'était tout le temps comme pour des peanuts, on dirait là. Mm. Puis toutes les pièces d'équipement aussi changeaient toutes tes stats. Comme c'est pas comme ah, l'armure change juste comment tough que t'es. Non, ça va changer comment est-ce que ta magie est forte, puis que tes attaques sont fortes, puis que ta dextérité, puis que tout, ouais, c'est comme stupide d'avoir plusieurs types d'équipements. Ah, ben c'est ça venait overwhelming. Ouais. Ça, c'était un peu plate. Puis tu sais, comme tes bonhommes ont pas de level, t'es basé sur ton equipment level, so c'est basically tes stats, c'est tes équipements, point final. Ouais. Tu sais, comme... Ouh là là! Comme tes jobs montent de level... Yoï! Bobo au coco. Tes jobs montent de level, mais on dirait comme parce que t'avais comme un ability tree par job. Oh, fuck. Mais ça filait jamais great. On dirait la seule chose que t'as great de monter les jobs de level, c'est que. Fuck, ok, au mur encore, au mur! So, comme je disais, avant de mourir 5 fois. Combien, juste avant, là, combien de aller te coucher t'as envie? 72. Mm. Ça, c'est beaucoup d'envie de coucher, ça. Honnêtement, j'ai pas tant envie d'aller me coucher, juste fucking être choré de joie. Elden Ring. Je pensais pas dire ça un jour, là, mais. Il a pas assez là. Ouais, Luc a passé le threshold de ce c'était trop long là. To be fair, ça fait proche de 4. Ah! Ouh! Fuck you! Ouh là là. Mais ouais, ce que j'essayais tellement de dire tout à l'heure. Oui. Que j'essayais beaucoup tellement. Oh. Ah, fuck you, man. Just fuck you. Creuve. Qu'est-ce que tu as? Comme creuve, beaucoup. Ouais, nos flèches sont beaucoup plus fortes. Okay. Ouais, c'est ça, leveler les jobs dans Stranger Paradise est comme... Je sais pas. Ça feel semi-hollow parce que comme... La seule chose qui est nice de leveler les jobs, c'est qu'éventuellement, t'en knocks d'autres jobs. Ouais. c'est le seul... Le seul plaisir est là, tu sais, là. Fait qu'on dirait comme... C'est pas une game tu peux grinder ou whatever, tu sais, là. Là. Mm. Puis ça m'apporte à mon biggest gripe right now, c'est que là, j'ai fait le tour de la game, puis là, je débattais, je suis comme... Autant que la game m'a laissé comme... Hein? J'étais comme, ah, je fais-tu comme un platinum de la game juste pour faire un classique genre qui se force oui. à... Stockholm Syndrome. Tu sais, exactement, it's Stockholm Syndrome. Mais c'est que là, je suis comme... Je suis en train de faire les post-game stuff. Mais comme... comment est-ce... Ooh. Comment est-ce que... Fuck you, man! Fuck you! Fuck you! Non! Tabarnouche, il veut, lui. Comment est-ce que tu m'as entendu? Si bon. Ça, c'est pas fair, là. Il là là. Ben oui. Wow. Ben oui.
ben oui, parfait, merci, je t'aime. Tu l'as tapé une fois, puis ça l'a pas dérangé. Tabarnouche. Qu'est-ce qui est lui, anyway? Comment? Ok. Ah, fuck you. Fuck you. Fuck you so hard. Ouais, il est... Non. Il, là. Non. Il est territorial pas mal, lui. Non. Non. Il est comme votant. I do not want. Non. Non. Ça, c'est fair, quelqu'un qui peut téléporter. Non. Mais c'est ça, l'oiseau. Dans Stranger of Paradise, je suis rendu comme dans le post-game où ce que je peux faire comme les post-game side mission, mais comme c'est pas comme ah oh, voici tout qu'est-ce que tu peux faire, have at it. C'est comme les missions comme Sandlock à mesure. Ok. Puis ça crée vraiment ça crée un peu une problématique. Non, fuck you, mon safe spot. Holy fuck. Il y a du monde à la messe. Oh, maudit que j'aime ma brain. C'est tout des téléporteurs tout de chute calice. Monte la fucking échelle! Oui! Item. Yay! Tout ça pour ça. Mais une récompense. C'est ça, c'est que là, je suis comme... à une situation où ce que là j'ai une side mission que je peux faire. Ah ben oui, des rats en fait. Puis je peux pas grinder parce que le loot qui drop est comme dépendant à la mission. Comme là, la mission que je peux faire, le max loot qui peut dropper mettons level 135. OK. Mais si j'ai de la misère quand le boss, comme je suis stock là, comme je peux pas devenir plus fort, there's no way de devenir plus fort. Faut juste... À moins que tu trouves comme des gears comme légendaires, I guess, là, je sais pas. Even then, comme ça va vraiment pas monter de beaucoup. Okay. Vraiment pas. Fait que t'es comme stock à comme te fesser la tête contre un mur jusqu'à temps que tu trouves une tactique qui marche contre le boss. Tu sais, là. Parce que toutes les autres missions où ce que je pourrais rentrer dedans pour aller, quote-unquote, grinder, sont toutes plus lower level. Fait que je vais toutes pogner du gear moins haut level. Ouais. Fait que... on dirait que ça... So you gotta get good. Ouais. Mais ça m'a comme burné, ça, là. J'étais ouais. Comme, oh, j'aime pas ce... Tu sais, comme... Tu sais qu'on a pas juste ça à faire. Exactement. Puis, c'est que... Quand est-ce que le ça a starté les post-game missions, comme là, je n'avais deux d'unlocké que je pouvais aller faire. Puis, somehow, la première, qui était moins haut level... me donnait plus de misère que l'autre parce que la première mission, c'était carrément comme une espèce de mini boss rush. Fait qu'il y avait comme trois boss à tuer. Puis c'était un petit peu comme bullshitty. Puis fait que j'étais à l'autre mission qui était comme plus une regular place que tu pouvais walk around puis il y avait plein de monstres. Fait que là, je pouvais aller là-dedans, grinder pour du gear, pour devenir plus fort, pour battre les boss de la mission d'avant. Right? Mais là, je suis stuck contre une mission que c'est un autre boss rush. Fait que tu peux comme plus ou moins grinder du gear. Fait que en tout cas, ouais. Là je suis comme, pourquoi vous avez pas juste tout donné les side missions comme d'une traite, tu sais là? Ouais. So, en tout cas. Je suis comme, là tout de suite là. Mais c'est ça, comme la fin. C'est comme, c'est vraiment épique l'idée qu'ils ont eu. Mais ça aurait été bien ridé. Ça aurait été comme nice. Moi, je sais que tu m'as montré le main character là, qui est juste comme un gros troll, basically. Comme, c'est fucké. Comme, ce character-là, tu l'haïs. Il feel pas human. Puis, il feel mal writé. Les lines sont mal délivrées. But, tu commences à carer pour le gars quand ce qui reste comme 2-3 heures à la game. Comme il vire sur un 10-10, puis tout d'un coup, t'es comme, holy shit, c'est ça le potentiel que ce character-là avait. Bon. Tu sais? But no. C'est comme, c'est tout wasté. C'est juste triste. Ouh! Ah, fuck you! Youpi! Fuck you! Mais fuck Commander you! Commander Nial!
miaule pas de problème. Ouais. Ah, ben oui! Hey, lui aussi a des chums! Ben oui! Fuck off! Oh, ah, pis c'est ces mangeux de marde là! Je suis tanné de jouer à la game! Je veux plus! Il a une belle spear, lui. Je la veux. Va la chercher. Qu'est-ce que mon petit coon fait, lui, là? Oh, il est là, là. Ben, là. Il s'amuse. Bon, toi, utile, sti. Vladimir! Je te paye pas pour rien, moi. Tiens-toi. Ok, ben, au moins. Ouais. Au moins, ils sont tuables. Double sword fucker, là, surtout. Okay. Mm-hmm. He fucks with two swords. Tabarnouche. Ah. C'est le... C'est comme un bonhomme de neige, lui. Oh, bonhomme carnaval. Oui. Ouais, tiens, tu veux faire de la neige ou je vais te faire une grosse crise de fireball, mon chum? Oui! Le mimic se fait d'ordre des... Là. Ouais, tu peux. Il est très joli, en tout cas. Tabarnouche. Ouais, pis il fait beau au mimic. Ouais. Oh! Ben oh! Oui, là j'ai... Là. Walk it right there. Ah! Ah, tu me niaises-tu, là? Caca. Tu me niaises-tu, là? Round 2! Fuck! What? Tu t'as-tu fait darder dans le dos par un des deux en arrière? Ouais, ouais! Parce que ça, c'est fair. Luc, jeu. C'est-tu ton jeu préféré? Sois honnête. Tu veux vraiment que je sois honnête? Oui! Luc a eu une très brillante idée pendant le loading screen. Il a dit on devrait tout effacer, tous les épisodes de Elden Ring, puis tout. Puis tout. Tout effacer ça de nos mémoires. Puis moi, après ça, j'ai dit puis on en recommence du début! C'est déjà mort. Bonne fête, Elden Ring. Bonne fête. Non, pas bonne fête. Ben oui. C'est une très bonne fête. It is very bonne fête. Il le mimical. T'as pas... Woo! Jesus Christ. Je suis assez cross-eyed des fois. Oui. T'as pas une healing spell sur toi? Tu peux-tu bien heal? Ouh. Fucking shit, piss, caca. Tu peux-tu bien healer ton mimic? Ah ouais. Je suis là. Ah. Le blessing. Ouais. Schnoot. Bah tu l'as même pas besoin. Fucking mimic. Vlan. Ah nice. Tiens-toi. C'est parfait ça. Yeah! Ben oui. Holy shit-la-bob-la-bum. Parfait ça. Oui. Non, pas de problème. Non. Facile. Hey, what the f... Moi, je veux sa spear. Mange la marde. Gagne sa spear. Ow. Jesus. Tout le temps, fun à prendre un nouveau boss. Tout le temps. C'est juste moi, ça faisait pas rien. Ben pas... Ok. Ok, non. Okay. Speed. Puis là, j'ai plus rien pour healer. Good. Parce que, of course. Sois parfait. Bonne fête de Elden Ring, bonne fête de Elden Ring. Qu'est-ce qui est ton moment préféré de notre série Elden Ring? Quand est-ce qu'on arrête le soir de recorder? Ça veut dire que ça a arrivé 50 fois. Yeah! T'es bien fuck chanceux. Oh no! Pogné dans un coin parce que Elden Ring. Fuck! Tiens-toi. Ok, ben au moins. Au moins, les autres sont. Les autres sont certains. Ouais, I. Ouh! Fuck! Non! Pogné non, dans un coin! Non, pogné! Non. Dommage. Tente plus! Tente plus. Oh, frostbite!
I-I-O-O-I-O-A-I-O. Edmar2.com, Edmar2.com. Il est quelque peu féroce celui-là. Fecalmatter.com, Fecalmatter.com. Fecal matter, c'est comme la merde qui compte. You matter. Ça veut dire ça qu'apparently. Fecal that matters. Kurt Cobain, c'était ça le nom de son first band. Oui. Oui, je me souviens. C'est fun ça. Ils auraient dû garder ce nom-là. Benquin. Benquin. Watch ton mana, mais aussi ta vie, puis watch tout ce qui se watch. Believe in the power of fecal matter. Oui! Oh. Merci, Kurt. Oh. Veterans prosthesis. J'ai eu sa prothèse. Oui! Yay! Yay! I feel empty inside. Mais au moins. C'est, au moins, ça te tente plus. Tu sais, quand ce que tu finis par comme gagner un buzz d'une game, pis t'as cette espèce de fuck yeah, je l'ai enfin eu! Ben, moi, ça, c'est juste comme oh, I'm finally released from pain. One step closer to the end. And I'm about to break. Oui. In the end, it was the fecal matter. Mm. Yeah, il n'y avait rien ici. Good. C'est le même que je feel. Pareil comme toi dans Renfensu Musashi, quand t'as enfin été en haut de la montagne pis t'as eu une roche comme rush. Cadeau. C'était comme good. Good. Tout ça. Puis tu sais, comme tu fais appraiser la roche après, pis c'est comme oh yeah, tu peux vendre ça pour comme le prix d'une pomme. T'es comme yeah. Merci. Oh. What fresh hell awaits. Toujours plus haut, toujours plus loin. Pousse-pende, ça. Ouais, tu pourrais te pendre de très haut là, tout de suite. Exactement. Y'avait-tu une silhouette là? Oh oui, mais okay, je check juste alentour avant. Ça, je pensais. Je fais mon petit agace sale. Fait à durer le plaisir. Exactement. Oh, oh! Ah, c'est-tu notre. Ah, oh, tchin! Ok. Ben calling the bean. Ah, oh, 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 oh. Ok, non, je pensais que c'était notre femme, mais c'est pas notre femme. The sun has not been swallowed, mais j'espère bien. T'as pas oui. Ça ferait mal à la gorge, ça. Si bol, ça c'est du Halls. D'accord. Aligri. Aligri. C'est ça. C'est parfait. Ouais. D'accord. Ok, ben au moins t'as pas été là pour rien. Hein? Non, parce que j'ai les deux parts de ce médaillon-là. Ah, on avait déjà l'autre? Ouais, j'ai le feeling que j'ai pogné ça durant mon grinding. Ah, ben toi pis ton grinding. Ouais, ben c'est quelque chose d'optionnel. Je me souviens pas que ça donne exactement, là, but c'est good qu'on a les deux parties. Hein. Mm. Honnêtement, toujours bon d'avoir les deux parties. Oui. Honnêtement, je me souviens vraiment pas Je me souviens que probablement que c'est vraiment cool, pis ça va être utile. Yeah. But no idea. C'est ça que j'aime, c'est comme là Luc est tanné du godège, ça fait comme 80 heures qu'on joue la game, puis comme il fait juste du option stuff. Ben c'est qu'on explore, puis là on tombe à ah oh, voici voici une voici, place. Ouais. On va aller dans la place. On aime ça les places. Tu sais, c'est comme non, je sais que ce que c'est. Tu parles à un joueur de Skyrim toi là. Ouais. Skyrim, mais t'sais, ça a pris des années avant que je me décide à faire le tour. C'est d'une manière, c'est optionnel, mais c'est-tu vraiment optionnel? Parce que si on le fait pas, on va arriver à la fin, puis on va tellement être low level que je vais vouloir m'arracher les eyeballs avec des couverts de peau maçon. Ouais, ça serait plate. Ça serait plate en effet, ouais.
Non, toi, je veux... Yeah. Non, toi, j'en veux... Un mini... J'en veux plus de toi. Un mini gars qui... J'en veux qui plus de toi. Adieu. Et voilà. Mais là, ce qui va peut-être arriver, c'est que là, tu vas arriver au final boss, puis tu vas être trop fort, puis ça va être plat. You funny man. I make laugh. You make the funnies. Adieu. Comme j'ai même plus peur des hauteurs, comme je suis tellement empty. Tu sais, je suis comme quelqu'un qui wander aimlessly comme sur la ligne jaune puis qui s'en calisse, là, parce que I don't have the will to live anymore. My God. Ça vient dark. Ouais, non, c'est un jeu assez néfaste. Holy Jesus. Balloon brune et noire indeed. C'est vrai, hein? J'avais oublié toute cette part-là. Ouh, va voir le gros télescope. Oui, c'est ça, tu voulais. I don't even. Juste que je trouve comment monter là. Bonne idée. Ouais, moi dernièrement, c'est ça, j'avais mentionné ça dans notre faux épisode 50, là, mais moi j'ai commencé. Faux épisode. Ouais, j'ai commencé à jouer à Harvestella, une game de farming sur la Switch. But farming, je dis ça, une game de farming, c'est un action RPG avec des farming elements à la Harvest Moon. Ces histoires-là, en fait. Puis ces histoires. Ces histoires. Puis comme le action RPG part, c'est un. Tu sais, c'est comme. C'est un peu comme Strangers of Paradise, mais comme beaucoup plus basic. Ah, fuck you. Pas toi, là. Ok, ouais, non, je trouvais c'était méchant, ça, là. Hey, moi, je sais juste d'être gentil puis de parler de mes... Mais non, c'est ça, c'est que t'es comme... C'est un action RPG, t'équipes des jobs, puis tu switches entre tes jobs, puis tout ça, puis... Mais... c'est vraiment le fun, puis l'histoire est intrigante, mais c'est... Tu peux voir que c'est... Premièrement, c'est published par Square Enix, mais c'est développé par une plus petite team. Puis ils avaient pas comme le budget d'une game de Square Enix normale, là, tu sais. Ça fait... Sister, where did you go? Okay. Oh, la sœur du jellyfish? Le jellyfish cherche le peanut butter fish? OK. Held shot by a seal. Nice. Mm. Perfect. Love it. Peanut butter fish, hein, ça serait drôle. Ouais, c'est pas le jellyfish qui dit ça. Oui, non? Oh, Luc! Fuck you. T'as sais pas des fois que c'est lui qui... T'as peut-être tué quelqu'un d'important, là. Non, c'était pas ça qu'il parlait, je pouvais pas y parler. C'était juste un jellyfish. Ben, pourquoi? I don't care. Luc... Je comprends pas ton hostilité. Ben, ton hostilité. La mort et le décès. Main dans la main. Pour toujours. Ouh, un petit dragon. Ah non, c'était une chauve-souris. Je pensais que c'était un mini dragon. J'étais en train de parler de Harvestella, mais là, je me souvenais plus qu'est-ce que je. Oui, c'est une game à plus petit budget que ça que Square Enix ferait d'habitude. Là, ah, je sais pas. Je trouve que Stranger Paradise avait pas le budget que j'aurais aimé, moi non plus. Ouais, mais ça, c'était quand même une. C'était quand même t'avais le nom de la franchise derrière pis tout. Ouais, mais non, c'est, tu sais, comme il y a plein de petites affaires de comme quality of life que la plupart des games ont mais que celle-là a pas. Puis j'ai mentionné aussi que comme la musique est excellente mais le voice acting est atroce. Le peu de voice acting qu'il y a dans la game est atroce. Parce qu'il y a juste du voice acting quand tu fais du farming ou quand tu es en train de te battre. Il n'y a pas de voice dans les stories. Il n'y a pas de voice quand tu parles au monde. Y a pas de, comme... Ça fait que tu entends tout le temps les mêmes lignes over and over and over and over. Puis ils sont mal délivrés. Pis c'est comme ils auraient été aussi bien de juste pas mettre de voice acting en tout. Ouais. Si c'était pour juste savoir ça. Là. So, comme moi, j'ai fini par l'enlever parce que j'étais comme ça sert à rien. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de. Mais, c'est ça, comme la game est vraiment le fun, puis moi, comme n'importe quel game qui a des job systems, c'est tellement fun, parce que t'as tout le temps hâte de pogner une nouvelle job, puis de pogner des nouvelles attaques avec ce job-là, puis tu fais des mix-mélanges. Des mix-mélanges? Des mix-mania. C'est ça que j'allais dire.
Parce que tu peux équiper trois jobs à la fois, puis c'est que tu switches entre tes jobs on the fly. Comme, disons, tu fais. Comme chaque job apprend trois attaques différentes, mais c'est que comme toutes les attaques marchent comme avec un système de cooldown. Fait, là, quand tu fais une attaque, ben, celle-là cooldown. Puis l'affaire, c'est que tu switches en tes jobs en attendant que le cooldown de tes attaques là, baisse. Là. Ça fait que c'est comme. T'es tout le temps en train d'utiliser tes trois jobs sur un cycle de même, puis tu fais tes attaques, puis ça. Puis c'est comme les dungeons, c'est comme un dungeon crawler, basically. OK. Parce que tu descends, tu sais, comme tu. Chaque donjon a comme plusieurs levels. Puis. T'as juste comme un tel nombre d'heures dans la journée. Ça fait comme. Souvent, tu vas rentrer dans un dungeon, ben comme tu vas jamais finir un dungeon la première fois que tu rentres. Là, t'sais, là, ça fait que c'est comme. Faut que tu trouves des shortcuts pour que la prochaine fois que tu rentres, que tu puisses, t'sais, là, comme toujours avancer plus loin dans le dungeon. Parce que là, comme tu te lèves à 6h du matin, puis là, faut que tu te couches avant minuit, puis tout ça. Pis... Oh, arrête, donjon. Ok. T'sais, donjon. Donjon crawler. Oui. Mais ouais, continue. Ah, bien sûr. Un autre copain! Yeah, on les aime, les copains. Ding-a-ling-a-ling. Mais c'est ça, c'est que l'histoire, so far, est pas mal intrigante. Comme. Tu sais, t'as les quatre saisons, comme d'habitude, puis là, il y a comme un cristal associé à chaque saison. Tu sais, comme chaque région a son propre crystal. Tu sais, t'as le Spring Crystal, Summer Crystal, puis tout ça. Mais. Il existe aussi une cinquième saison qui s'appelle le Quietus. Puis ça, il surnomme ça le Season of Death. Parce que c'est comme. C'est une saison où c'est que comme. T'as toutes sortes d'espèces de petites particules qui flottent dans l'air. Puis comme il y a personne qui est sûr que ce que c'est. Puis il y a du monde qui tombe malade. What? Oh, beau, et ça, c'est nouveau. Non! Ils se sont dit, ben, gars, lui, il y a deux copies de lui. On va faire deux copies de nous autres. Pas fair. Ouais, c'est pas droit. Ouh là là, l'arbre. Ah oui, l'arbre comme déflecté ma bolt. Fun. Big Vagina Face. On dirait que j'avais comme jamais vraiment vu leur face de proche de même. Ben, c'est un gaping hole. Oui. Ouh là là. Farts. Les pets de Jésus. C'est plus tu qui avait juste... Ouais, ah non, ok. C'était-tu notre... Ouais, ok, c'était-tu notre mimic tout ce temps-là? Oh oui. Je pensais que c'était juste comme un autre dude qui était là, random. Non, non. On dirait que je trouvais qu'il ressemblait pas à nous autres. Bon. Yee-boy! Yee-boy, boys and girls. Toujours fun quand tu tombes quasiment dans un pit. Can't we? Yeah. Nice, ça a tué les deux en même temps. Ah, shit. Oh, oh. Petite beam encore. Ok, never mind. Yeah, attaboy! Attaboy! Not too bad. Oh, la boy! Yeah, des nouveaux ça. Des nouveaux ça? Des nouveaux ceux-là. Ah, des bubules avec des. Ah ah, des petites montgolfières! Oui, c'est ça, t'as la cinquième saison, Season of Death. Non, je sais pas, genre. Pis c'est que ça a l'air de causer une maladie que le monde savent pas ce que c'est. Pis tu sais, en plus, comme ça tue. Tu sais, ça tue toutes les plantes, ça tue tout, tu sais, comme. Ça fait qu'ils appellent ça le Season of Death. Mais ton character, for some reason, il a de l'air d'être immune à ça. Puis c'est comme une des choses qu'il faut que tu fasses dans la game, c'est d'essayer de trouver un cure pour cette maladie-là. À cause que toi, tu peux juste comme te promener dedans. Tu peux te promener dans cette death particle. Tu peux te baigner dans la mort. Oui, tu peux baigner dans la mort. Mais c'est un peu ça que je suis en train de faire dans Elden Ring. Comme oui. Toutes les recording sessions. Oui, beaucoup de morts. Je me baigne dedans. Oui, t'as comme une grosse tub de morts. Tasty. Une bonne batch de corps. De corps pis de morts. Je suis rendu comme à la moitié du premier été, basically, mais c'est... À la fin du printemps, il y a eu une journée de quietus. Puis ça, c'est une des affaires que comme c'est que d'habitude le quietus, ça arrive, tu sais, ça arrive comme une saison, tu sais là. Mais c'est que là, ça commence à arriver
hors de saison, puis le monde ne comprend pas. Puis ça, c'est le genre d'affaire comme tout le monde, faut que tout le monde reste en dedans. Puis c'est comme la COVID, tu sais, là. C'est comme si la COVID était une saison. Oh, God. Mais. Sounds great. Oui! Mais de quoi que j'ai trouvé pas pire, c'est que. Comme là, cette journée de quietus-là, comme toutes les plantes que j'avais dans mon jardin, elles sont toutes mortes. Mm. Puis je pouvais même pas comme y aller sur la world map. Comme je peux pas me promener freely. Mais sur ta ferme, t'as un puits. Puis faut, comme. Ce puits-là a commencé à comme briller. Puis là, tu descends dans le puits, puis c'est comme un huge dungeon. Il y a un huge dungeon dans ce puits-là que tu peux juste aller pendant le quietus. Ah. Ça fait que c'est comme toute la saison, tu build up pour le quietus pour y aller dans ce dungeon-là, genre. Ça, c'est ça, j'ai trouvé ça comme pas pire, tu sais, là. It's really interesting indeed. Ouais. Puis c'est ça, tu trouves des items là-dedans que tu trouves pas ailleurs, puis c'est... T'as comme... Ouais, j'ai pas réussi à me rendre très loin encore, parce que c'était... J'étais pas vraiment prêt à descendre ce dungeon-là. Je savais pas ce qui s'en est. Mais là, j'ai hâte au prochain quietus pour comme y aller plus loin, puis... Nice! C'est là que l'histoire va se développer. Mais c'est ça, c'est que là, en attendant, comme faut que je visite toutes les 4 crystals. Faut que je les inspecte pour voir comme... T'sais, toutes les crystals, il y a de quoi de wrong qui va avec, puis le monde pense que c'est ça qui est... que c'est pour ça que le quietus arrive randomly. C'est ça, comme... T'sais, t'as genre... Tu commences la game, tu vas au Fall Crystal, puis là, le chapitre d'après, il est divisé en 3. Puis c'est comme... Faut que tu vas voir les 3 autres crystals. C'est que là, j'ai été d'en voir 2. Puis... Ça qui est cool aussi, c'est une des seules farming games que t'as actually une party. Mais okay, tu, ouais. T'as juste ta party quand tu vas dans les dungeons pis ça. Mais c'est que c'est eux autres aussi qui donnent tes jobs. Comme quand t'as un character qui join ta party, tu gagnes sa job en même temps. Ça fait comme... C'est vraiment le fun de trouver d'autres characters parce que t'as d'autres jobs qui viennent avec. Puis so far, comme chaque chapitre, il y a eu 2 nouveaux characters par chapitre. Si j'ai bien vu, il y a l'air d'avoir 12 jobs, puis je suis rendu à 7. So. Not bad. Yeah. Puis, je pense que c'est l'histoire surtout qui me draw in. But, yeah. C'est une expérience un peu plus paisible que celle que t'as. Dans Elden Ring ou dans... Dans les deux, là. Dans Stranger of Paradise. Dans tout. Ben, techniquement, Stranger of Paradise, je l'ai fini, là. Ouais. C'est plus mon entêtement, là, mais je vais peut-être juste finir ça, là. Ton enterrement. Ouais. Techniquement, je pense que une des choses que je pourrais faire pour, comme, cheater un peu, ça serait de pogner des DLC. Fait que là, je pourrais grinder dans les DLC. Je sais pas à quel point c'est cheater, là, mon petit gars. Ouais. Mais, sur ça. Ah oui, déjà? Serions-vous game d'arrêter les petites ballons brunes? Déjà? T'as juste crevé 35 fois? Besoin d'un fucking break, man. Bonne fête, Elden Ring. Bonne fête, Elden Ring. Bonne fête.